Ouais, j'ai vu, c'était terrible. Moi, si je suis concerné? En fait, ce que je ressens, c'est de la tristesse. Et c'est un cercle vicieux, ça revient toujours à la même chose. Et c'est toujours les mêmes qui payent, c'est les innocents. Bien sûr, c'est pas parce qu'il est... Le terroriste n'a pas de race. Donc à partir de ce moment, si on s'imprègne de ce concept-là, il n'a pas de race. Pardon ? Moi, jamais. Avec ce qui arrive là en ce moment, ça peut venir de partout. Et en fait, moi, c'est pas trop ma sécurité qui m'intéresse. C'est celle de nos familles, de nos sœurs, de nos pères, de nos mères. À savoir que on peut pas contrôler la sécurité de tout le monde. Ça peut venir de nulle part. D'ailleurs, là, il y a quelques heures, il y a eu un attentat aux Pays-Bas. Et voilà quoi. Ça peut venir de partout. Et voilà, on vit dans un monde où ça ne s'arrêtera jamais. Ça frappe dans un camp, ça frappe dans un autre. Et c'est toujours les innocents qui payent. Et c'est quoi votre message auprès de familles de victimes? Moi, je suis vraiment attristé par ce qui est arrivé. Parce que j'ai pu voir la vidéo, malheureusement. Et ça m'a vraiment touché. Parce que je me suis senti concerné. Ça aurait pu... Pas une question que ça aurait pu être moi, mais c'était des enfants, c'était des grands-parents. Et en tant qu'humain, voilà, humainement... Voilà, c'est des choses qui me désolent. Et c'est toujours deux poids, deux mesures, surtout sur la vie, sur la façon d'agir. Et on voit que certains humains sont vraiment des animaux. Et voilà quoi. Et moi, je suis très désolé pour les familles. Je leur souhaite. Franchement. Je sais que c'est pas quelque chose facile à parler, mais je leur donne toute ma force. Voilà, pas tout.